Coucou YouTube, c'est la suite de Sonic Origins. On va jouer à Sonic CD. Alors, je parle pas très fort et je vais essayer de pas parler trop fort. Parce que je le rappelle, il est 10h du mat. Que tout le monde n'est pas réveillé à 10h du mat. Bonjour YouTube. Ah là là, Rinko qui dit bonjour à YouTube, mais quel professionnel, incroyable. Et bien c'est parti. Alors, est-ce qu'on a les cinématiques? On n'a pas les cinématiques. Je vous propose un truc, que ce soit pour YouTube ou pour les gens du stream. On va remontrer les cinématiques. Les deux cinématiques qu'on a eues parce qu'elles sont très très bien évidemment. On a la petite cinématique d'intro supplémentaire qui a été rajoutée pour Sonic CD. Plein écran. Hop, je me mets en... Voilà. Cacher LED. Ça c'est une petite cinématique qui a été rajoutée. Oula, le stream! Oh, le stream qui a pété un plomb. En toi, merde. Donc avec Amy, bien sûr, qui est introduite dans Sonic CD. Ces cinématiques, ils sont vraiment très très cool. Ah, moi, je surkiffe. Hein. Je surkiffe total. Et bien sûr, on a eu le droit à... L'intro de Sonic CD, la true intro of Sonic CD. J'adore cette cinématique de tout mon cœur, c'est exceptionnel, putain. Incroyable mais vrai, voilà. Donc ça c'était les cinématiques qu'on a eues du coup la dernière fois, que du coup vous avez eu normalement YouTube, sur la fin du dernier épisode. Et donc du coup, c'est là pour introduire Sonic Mania. Les niveaux de Sonic Mania, c'est parti. C'est parti mesdames et messieurs, Palm Tree Panic. Alors je suis allé vérifier, sur les internets binaires 2.0, comment avoir le 100% de ce jeu. Alors, le 100% de ce jeu, c'est bel et bien en ayant... le goût de futur en gros dans chaque zone, parce que si vous ne le savez pas, dans Sonic CD il y a un système de passé et de futur. Alors je sais pas si on va, il y a pas de panneau là pour l'instant, il y a pas de panneau. Panneau. Obé. Ah si voilà, il y a un panneau. Donc là j'ai passé un panneau passe. Et là si je vais très vite avec le panneau passe, vous le voyez, il y a plein de petites étoiles derrière. Et si je vais suffisamment vite, je vais revenir dans le temps. Il s'avère que on peut faire ça. Ou on peut juste récupérer 50 anneaux, aller à la fin du niveau, faire le niveau spécial, enfin le niveau bonus du coup, et obtenir en fait toutes les time stones. Et en fait une fois qu'on a toutes les time stones, on a le goût de futur dans le truc en question. En fait pas besoin au début. Là pour les premiers niveaux, on va se faire chier à aller récupérer 50 anneaux parce que c'est beaucoup plus simple pour nous, vu qu'en fait, en mode anniversaire, je le rappelle qu'avec les coins qu'il y a juste en dessous de moi, on peut recommencer les niveaux bonus autant qu'on veut, tant qu'on en a. Donc du coup, ça c'est exceptionnel. Sonic, pas Suki. T'as pas le lore, il a pas le lore, c'est pas grave, c'est pas grave. Suki, c'était mon nom de personnage féminin dans le lore, principalement de Rinku. C'est vrai que c'est surtout un élément de ton lore, Rinku, on va pas se mentir. Exceptionnel. Alors, donc là, ça y est. On est bon. On a les 50 anneaux, on a un bouclier. Je veux pas revenir dans le temps, par contre, c'est chiant.
Donc comme la dernière fois, je le rappelle, ce jeu et les autres jeux ont le drop dash. Drop dash qui a été intégré dans Sonic Mania, donc ça fait extrêmement plaisir. Et là, normalement, on va croiser Amy. Coucou, c'est Amy. Incroyable. Et là, normalement, on a le niveau bonus. Parfait. Ah mais d'accord. C'est du lore, en effet. Ça me dit, je dois faire une vidéo sur YouTube sur Sonic Mania. Nice. Dans mon PC, j'ai Sonic Heroes, Sonic Heroes, Sonic Mania Plus. Des très très bons jeux, hein, évidemment. Il y en a un qui s'éclate derrière sa loupe. Et oui. Ah, moi, j'adore. Hein. Bon, alors, par contre, ces niveaux bonus-là, c'est l'enfer du cul. Oh putain, voilà. La perspective, mesdames et messieurs, c'est pas le fort de ces niveaux. Alors le but, c'est de détruire tous les UFO. Donc encore une fois, vous le voyez, la perspective, elle est cassée. Voilà. Merde. Il en reste un. Il en reste un, il en... Putain, ta mère. Oh, let's go. C'est bon. C'est bon. So long. Allez, c'est vrai, attendez. Attends, je peux faire ça. So long. So long. Ah merde, j'ai raté, excusez-moi. So long. So long. So long. So long. Nick. Zone. Le Nick et le Zone, je les avais enregistrés sur le stream précédent, c'est pour ça. Énorme. Énorme. Ok, let's go. Pareil, 50 anneaux. Et en fait, une fois qu'on aura récupéré toutes les Time Stones, on fera, je pense... J'ai cru comprendre qu'en fait, on n'avait pas besoin du coup de faire les autres requirements des niveaux. C'est-à-dire normalement aller dans le passé, détruire un générateur d'ennemis et un hologramme de Metal Sonic. Normalement, c'est ça qu'il faut pour avoir du coup les... Le goût de futur, le goût de... Putain, pour avoir le goût de futur dans les niveaux. Putain de merde. Voilà, je fais de la merde, je suis pas concentré. C'est le matin, il est 10h. Pour vous, il est 16, pas pour moi. Pas pour moi, le Canada, tout ça. Hein. C'est sûr. Ah là là. Sonic Heroes, Sonic Colors. Pas fait avant. C'est très bon jeu, hein, Colors et Heroes. Alors, très très différent, hein, mais très très bon jeu. Ouh. Let's go. Alors. Très bien. Ouh. Ouh. Ok. Oh bah alors ça c'est bien. Alors le gameplay risque d'être un peu lent, surtout sur CD. Parce que Sonic CD, putain de merde, que c'est un nid à piège. Et comme c'est un jeu qui nécessite vraiment de la minutie pour le terminer à 100%, vous allez pas me voir courir dans tous les sens tout le temps. Parce que là j'aimerais vraiment éviter d'aller retourner dans le passé parce que c'est un peu chiant. Qu'on a la possibilité de recommencer les niveaux bonus quasiment à l'infini. D'accord, des anneaux non récupérables. Le seum est grand. Le grand est seum. Alors. Les musiques sont toujours autant exceptionnelles, ça c'est réel. Donc du coup, quand on sera sur Sonic 3, on découvrira des nouvelles musiques. Enfin du moins, des réarrangements de musique qui étaient prévus pour le jeu. À toute base. Parce que du coup, avec les problèmes de copyright liés à des ressemblances de morceaux aux musiques de Michael Jackson, parce que Michael Jackson a participé à la composition des morceaux de Sonic 3, ils n'ont pas pu exploiter la... Ah voilà. Donc ça, par exemple, ce que vous voyez là, c'est une des machines du coup qu'il faut détruire dans le passé. Bon là, elle est... là, on s'en fout, parce que là, elle est dans le présent, elle est pétée. Mais il faut retourner la détruire dans le passé, comme ça, elle ne crée pas de monstre, et du coup, ça crée un bout de futur. Et du coup, c'est bien. Voilà. Et je vais seulement jouer à Colors. Ah, apparemment, Queen and Shia n'a jamais joué à un jeu Sonic. Terrible. Je me rends compte que j'étais pas sur Discord. Ah là là. Oula, on va prendre l'invincibilité. Toujours bien. Tiens, autre anecdote sur Sonic CD, pour ceux qui ne le savent pas. Le jeu a bénéficié de deux versions de sortie. La version japonaise et la version américaine. Et il s'avère qu'en fait la version japonaise et la version américaine n'ont pas les mêmes musiques. J'ai que regarder l'anime. T'as regardé Sonic X du coup? Je vois. Bah après, moi j'ai découvert Sonic grâce à Sonic X, hein, donc...
Merci d'avoir fait partie de mon enfance en 2005, Sonic X, parce que sinon jamais... Enfin si, je pense que si, mais ce serait jamais devenu ma licence préférée. J'adorais le dessin animé à l'époque. Mes parents m'ont acheté Sonic Adventure DX, Adventure 2 Battle sur GameCube. Après ça, ils m'ont acheté d'autres jeux, notamment la méga compilation, dans lequel il y avait Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles, et d'autres jeux débloquables, mais que j'ai jamais débloqué parce que j'étais trop mauvais. Il reste 3... Merde, j'ai loupé, pas grave. Alors oui, il faut savoir que les UFO violets, une fois détruits, ne réapparaissent pas. Les UFO bleus réapparaissent avec des traits rouges. Il faut pas les détruire parce qu'en fait, ils comptent pas. Et je crois que je suis mort. Allez, je suis mort. J'ai perdu. On va passer un très bon moment, moi, je vous le dis. J'ai tenté direct celui de gauche parce que je suis assez lent dès le début. Ouais, let's go. Bonne strat. Oh, let's go. Oh, let's go. Bien vu. Oh là. Oh oui. Oh oui. Oh là 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 là. Oh, ce... Oh, dommage. Dommage. Dommage, dommage. Let's go. C'est bang. Et t'es trop mauvais, tu es trop mauvais. Ah bah non, parce qu'aujourd'hui je suis capable de les finir les jeux. Sonic 1, je l'ai terminé je sais pas combien de fois. Sonic 2, je l'ai terminé une fois. Sonic 3, j'ai terminé une fois aussi. Mais à l'époque, j'étais incapable de les terminer. Aujourd'hui, ça va, mais... C'est bien un truc sur lequel je me... C'est bien un skill de gamer sur lequel je me suis amélioré, c'est bien celui-là. C'est bien celui-là. On m'a menti. On m'a menti. Oh, ça donne pas le goût de futur. Mais attendez, on m'a dit que j'étais pas obligé de faire les deux. Sur les internets. J'ai un peu le seum là, j'avoue. Est-ce que du coup j'ai... Est-ce que je me suis foiré? Est-ce que je me suis foiré? Peut-être pas. Mais je sais que j'avais vu que dans les conditions, c'était soit avoir tous les goûts de futur en allant dans le passé, détruisant le bordel, etc. Soit obtenir les Time Stones. Bon écoutez, on va continuer à obtenir les Time Stones, on verra bien. Et puis si je me suis foiré, je me suis foiré. Écoutez. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive d'être mauvais dans l'histoire du gaming. Donc là, on va affronter un boss. Et si le boss a le même exploit qu'il avait à l'époque, ça va être exceptionnel. Normalement, si je me mets là... Oui. Voilà. Un boss très difficile, hein. Bien évidemment. Ah oui, faut détruire ça. Let's go. Faut que je pite un peu, ça fait longtemps. Let's go. Bon alors du coup, j'espère que ça n'a pas d'influence sur la fin. Oh, Collision Chaos. Donc là, on va voir l'enlèvement normalement. Voilà, on va voir Amy qui va se faire enlever par un méchant qu'on aime bien dans Sonic. Surtout, moi j'aime beaucoup. Metal Sonic. Incroyable. Ce méchant qui est sous-exploité depuis quelques années, ça me termine. Alors c'est censé être un peu la... Enfin, c'est censé être le rival ultime de Sonic à la base quand même. Hein. Bon, c'est devenu Shadow, mais... Ça peut être encore un bon rival, putain de merde. Et il a juste été exploité en tant que boss sympa mais sans plus dans Sonic Forces. Et c'était même pas vraiment lui, c'était juste une illusion. Juste une illusion. Pardon. Oula. Je vois ce que je fais. Putain de merde. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce niveau. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Sonic CD tout court. Que j'ai déjà terminé à 100%, hein. Mais putain de merde. Comme une boule de flipper. On va passer par là, hein. Ouais, d'accord. Certes, si vous voulez. Faisons comme cela. Non, très mauvaise idée, en fait. C'est bien. Mais putain, je veux passer en dessous. Oh là là. Oh là, c'est cool. Très bien. Shadow a du flow, c'est peut-être pour ça.
Ah bah oui, bien sûr, mais Shadow, il est archi populaire, hein. Je pense que c'est le perso le plus populaire de Sonic après Sonic, hein. Ne nous mentons pas, hein. Moi, je l'adore, hein. C'est juste que je suis un peu déçu que... Il réexploite pas un peu Metal Sonic, alors que Metal Sonic, il a fait des trucs de bâtard, en fait, genre, je spoilerai pas, parce qu'apparemment, quelqu'un dans le chat n'a pas joué à Sonic Heroes, mais... Incroyable. Probablement vrai. Bon, par contre, là, j'ai complètement oublié cette phase de jeu. Team Silver. Silver, très très cool, hein. Très très bon perso. Oh, merde. T'aimes... Je t'ai vu, Rinko. Heureusement, tu ne peux rien faire dans ce jeu. C'est bon. Putain de merde. Putain. Ok. Hop. Hop. C'est bon. Ah, c'est fini, c'est bon. Let's go. Hello, bonjour, Margarita Torres. Sos el chavo. Oula. Hablo espagnol que... Hablo inglés. Porque mi espagnol es... voilà, quoi. Ah. Oula, merde. J'ai loupé le premier, super. Oh, non, dommage. J'y ai cru. Oh, ça, il va se casser. Oh putain, mais ils sont là-bas, ils sont fous. Oh. Ah, ouais, d'accord. Reste toi. Oh merde. Comment t'as prononcé English? Bah, anglais? En espagnol? Quand même, voyons, Queen. Viens de se foutre de ma gueule, mais Au bout d'un moment, faut me respecter, quoi. Certes, j'ai pas pratiqué mon espagnol depuis... Très longtemps. Ah, c'est réussi. Mais quand même. Je sais dire anglais en espagnol. Je clip à temps. Mais quel... Oh, mais ça va. Mais quel... Il me fait bouler alors que j'ai dit le truc correctement. Exceptionnel. C'est quoi ce chat? Qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Alors... Collision Chaos Zone 2. Pardon. Zone 2. Voilà. Oh putain, je... Oh oui, ça je m'en souviens. Oh, j'en ai pas des bons souvenirs. Surtout parce que je restais coincé comme un con quand j'étais... quand je fus plus jeune. Je crois qu'il est parti, tristesse. Mais je pense qu'il s'est rendu compte que je parlais pas espagnol, surtout, hein. Quand j'ai dû lui dire, Ablo, T'es pas aidé avec moi, fais gaffe. Ouais, bah j'avais que le comprendre. Avec le groupe. Par contre, j'aimerais bien accéder à la plateforme du dessus. Mais peut-être passer par en dessous. Oui. C'est bon. T'es tout quoi? Oh, je suis obligé de passer par là. Oh, les mécréants. Ah, y'a un chemin à droite. Bon, je suis con. Ton chat accepte les liens clips ou pas? Normalement, oui. Les clips sont acceptés. Les clips sont tout à fait acceptés. Même les liens de manière générale, parce que je les ai pas bloqués, mais faudrait que je les bloque. Pour éviter des dingueries. Bon, alors. Bon, ouais. Oui, non, je veux pas aller dans le passé, c'est chiant. Mais du coup, je vais où? Avec ces conneries là. Alors, je suis. Ah, voilà. Par là. C'est par là. Mais je crois que c'est un passage où on route semi-force à aller dans le passé, mais... Non, on va aller dans le passé. Aïe, il parle espagnol, ça. Oh là là là. Super. What? Oh, j'étais glitché. Ah bah voilà. Là, je viens de détruire la machine. Et normalement, il y a un hologramme de Metal Sonic aussi qui traîne quelque part. Mais comme dit précédemment, normalement récupérer les Time Stones suffit.
C'est juste que je pensais qu'on aurait du coup la good ending, mais en fait. Bah non, c'est normal parce qu'on les a pas les 7. Faut récupérer les 7 pour que ça compense. Les 7 Time Stones. Et non pas les éléments du chaos. Les éléments du chaos qui reviennent à partir de Sonic 2. Ah bah voilà l'hologramme de Metal Sonic. Au moins tout était sur le chemin, ça fait plaisir. Dans certains niveaux ils sont cachés, mais alors je me demande si les mecs ils ont pas plus, ils auraient pas dû plutôt travailler pour les bouquins Way Charlie quoi, mais certes. Et alors. Mais. Mais. JPP. Voilà, c'est bon. Donc là, on va revenir dans le futur, j'imagine. Ouais. Let's go back into the future. Enfin, dans le présent, du coup. Mais normalement, faudrait le faire dans les deux. Bah, je retourne dans le. On va dans le futur. On va dans le futur. Let's go into the future. Mais du coup là on a le goût de futur de la zone parce que là dans cette zone là on a détruit on a détruit du coup les deux trucs très très désagréables pour la vie. Mais j'aimerais bien éviter de prendre des dégâts afin de pouvoir avoir le... Oui c'est bon, c'est bang. Le niveau bonus. Incroyable mais vrai. Donc c'était probablement le plus... pas difficile. Ah, Internet des mi palestam, oui malo. Voilà. Mais oui mais... Non mais alors... Margarito, je ne comprends pas. Margarito Red, je... Sorry but... I'm more into English than Spanish, I'm sorry. So yes but no. Sorry dude. Oh là là. Paf. Pa 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 pa. Putain de merde. Ok. Oula. Il y en a un là. Quoi? Oh mais oula, il... oula, oula. Oula 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 oula. Oh non, 5. Allez. Oh. Oh, à 3 secondes près. Même dans le chat, salut, on doit parler anglais. Ah moi l'espagnol, ça date d'il y a trop longtemps. Donc moi franchement, ouais, attends. Ouais. Pas sûr de tout comprendre. Je crois comprendre qu'il dit que sur internet va mal, mais je suis pas sûr de comprendre le reste. Bon, allez. Oh! Attends, c'est. Oh putain, je m'en rappelle. Je me rappelle de ce boss, je me rappelle. D'accord. Ok. Voilà, faut détruire ces trucs-là. Et à un moment, ce sera Eggman dans un de ces trucs-là. Non? Oh, cette musique. Incroyable. Bon par contre... Voilà d'arrêter de se foutre de ma gueule là. Paf, 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 paf. Oh, 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 oh. Oui mais là, voilà. Oui. Let's go. Parfait. T'as fait le ménage, j'ai fait de l'allemand. Et qui est un qui demande si tu es le gars. Mais le gars, ben non. No, no soy el chavo para internet, non. I am me. I am all of me. It's a reference to Sonic Music. Main theme of Shadow the Hedgehog, the video game. I am all of me. Mais ouais, putain, Rinku, t'as vachement gardé de l'espagnol, ça me tue. Oh, c'est trop cool. Ou alors t'as allé traduire. Mais ouais. Let's go. Oh putain.
Alors encore une fois, on va tenter les... Les 50 annales afin de... Putain, j'ai complètement oublié l'existence de cet ennemi. Oh, j'avais oublié la gueule des niveaux de CD, ils sont incroyables. Alors Sonic CD, pour l'anecdote encore, parce que j'ai plein d'anecdotes hein, sur tous ces jeux, c'est exceptionnel. Sonic CD a été développé en parallèle de Sonic 2 par une team qui n'était pas la team de Sonic 2, mais qui était une team japonaise. Parce qu'en fait, la team de Sonic 2 était aussi japonaise, mais elle était basée aux États-Unis à l'époque. Oh, non. Non. On recommence. On est à 10 anneaux, bah les couilles. On était à 10 annales d'avoir les 50 là, c'est n'importe quoi là. Non, remboursé. On va les avoir ces 50 anneaux, moi je suis désolé, je... On les a, calmez-vous. Bon, c'est à moi de me calmer en fait. Parfait. Oh oui, d'accord. Je suis trop nul en anglais, mais j'ai des restes grâce à la technique des O et A. Et de rajouter O ou A à la fin de chaque mot, ouais. Bien vu. Bien vu. Alors, après, tout n'est pas vrai, hein, de rajouter des O et des A partout, c'est pas vrai tout le temps, hein. Attention. C'est possible dans la plupart des cas parce qu'on a la même base linguistique, qui est latine, mais dans certains cas, c'est pas possible. Dans certains cas, il y a des mots, ça marche pas. Alors, on va essayer de pas mourir. Très bien. D'accord. Oh oui, exactement ce dont j'avais besoin. Il y a des bulles, parfait. Parfait, c'est bon. On peut aller à la fin du niveau. Bang. Donc Sonic CD a été développé en parallèle de Sonic 2, mais le développement a commencé et s'est terminé de mémoire avant Sonic 2. Ce qui fait donc que le premier personnage, le premier pote de Sonic à être vraiment apparu, être apparu pour la première fois, le tout premier, c'est Amy et pas Tails. Vraiment ce qu'on pourrait croire du coup. Et ça c'est beau. Et même Metal Sonic en fait est apparu avant Tails. C'est quand même dingue. J'aimerais bien la bulle. Quoi? Je vais mourir. C'est bon. Je vais pas mourir. Je sais pas où. Je fasse attention. Putain de merde. C'est dur. C'est dur, madame. On va essayer de pas crever. Peut-être que ça va nous remonter à la surface. Ah bah là, il y a le truc qu'on est censé détruire, du coup, si on avait pas, du coup, les... Très mauvaise idée d'avoir fait ça, putain, je le savais. I knew it. Je le savais. Oh, putain. Hop. C'est bon. Bonjour, mon bot, il parle pas. Non, il parle pas. Je l'ai que configuré pour l'instant pour avoir une notif récurrente sur lequel il peut du coup redonner tous mes réseaux qu'on ne voit que dans le chat Twitch et qu'on ne voit pas juste ici. Voilà, comme ça, ça évite de flouder ce truc-là pour rien. Et on garde les infos importantes pour là où c'est important, c'est-à-dire sur le chat directement. Quoi? Putain, il va être dur celui-là. Oh, ok, c'est déjà difficile. C'est déjà de la merde. Quoi? Ok, un seul. Deux. Aïe. Et ta mère. Quel bâtard, il m'a drift sur la gueule. Oh le bâtard. Oh le petit bâtard. Putain, ça manque d'une touche pour ralentir, moi je dis hein. Ah, je suis mort, c'est sûr. Ah là 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 là. Ah bah c'est pas nickel. Ah non, c'est pas nickel, ça c'est sûr. Mais après, je crois que Moobot, tu peux le configurer pour qu'il puisse répondre. Ok. Mais quoi? Oh, mais sacre bleu! Sacré de bon dieu, là. Putain, merde.
Mais je vais trop vite. Je vis trop vite, c'est infâme. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Ok. Parce qu'on l'aura pas du deuxième coup. Ça m'étonnerait. Il reste trop, j'ai pas assez de temps. Parce qu'en fait, je perds du temps lorsque je vais dans l'eau. Alors là, l'eau est noire. Hein. Oui. Le temps diminue quand je suis dans l'eau et du coup c'est pas fou. On fait ça dans tous les niveaux bien sûr hein, mais voilà. Bon heureusement on a le système de pièces là qui nous permet d'amortir ça. Donc du coup de pouvoir recommencer autant de fois qu'on veut tant qu'on en a, donc ça c'est très très bien. Quand ils ont annoncé ça moi j'étais très content. Et ta mère. Oh ta... Putain les niveaux bonus dans les Sonic, qu'est-ce que c'est dur. Il n'y a pas que c'est de la merde mais qu'est-ce que c'est dur. Bon si c'est un peu de la merde. Bon. On va pas se mentir, il y a vraiment des trucs, genre ça là, c'est vraiment pas fun. C'est le bordel dans tous les sens. Tu sais pas vraiment où tu vas, les trucs ils décalent, toi tu vas vite tout le temps, tu peux pas réduire ta... Oh c'est infâme. Oh quelle infamie. Quelle infamie mesdames et messieurs, ok. What an infamie. Ok. Non! Oh non, mon temps était aspiré! Oh non! Oh mais non, mais j'ai... Mais j'y étais, il m'en restait deux... J'étais pas si mal... Putain, mais ça m'aide... Sérieusement... Ok... Non. Nice. Oh, mais t'as... Oh! T'as sapé à l'hippopète, là. Mais... Très envie de m'énerver, très envie de crier. Je ne peux pas. Oh, putain. Au secours. Au secours. Ok. Ah ta mère. Perdu presque 10 secondes là. Attends. Attends. Oh oui, plus que 2. Comment ça plus que 2? Oh putain oui ils sont là. Oh les bâtards. C'est les deux pires. Oh, mais ta mère, bah voilà. Bah j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu, c'est perdu. Perdu. J'étais sûr. Ils sont infâmes ceux du milieu, c'est incroyable. C'était absolument super dur. Concentre-toi. Oui, bah oui, c'est infâme. Et encore, on est qu'à la quatrième, hein, il en reste 3 après ça. Concentre-toi, je... Putain, mais t'as... J'ai envie de casser un truc. Il te pète un plomb. On me saoule, c'est agaçant. Oh là 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 là. Oh la vache. Vraiment, l'idée est... Ah, rendez-moi les niveaux bonus de Sonic 2, s'il vous plaît. C'est les meilleurs niveaux bonus des 3, des 4 premiers Sonic, hein, les niveaux bonus de Sonic 2, vous verrez bien. Hein. C'est les plus sympas. Et encore, ils sont très chiants. Aussi, parce que... Bah, vous verrez. Vous verrez, hein, mais... De toute façon, je ne pars pas d'ici tant que je n'ai pas réussi... Tada! Bah, j'ai perdu, hein. Bah, ouais, super. Oh, bah, pff. Bien sûr! Vas-y, respire, mon. Casse les couilles. C'est pas vrai! Eh! Hey. Ok. Je l'ai touché! Mais non, mais c'est dégueulasse, j'étais dessus! Oh non, mais ta sœur là aussi! Putain, si tu joues sur l'Xbox! Putain, c'est pour ça qu'il faut pas faire de niveau en 3D quand tu maîtrises pas la 3D, quoi! Oh, de merde! Tu te fous de moi?
Oh la perspective, mais putain, mais j'ai envie de te chier à la gueule. 18 secondes, bah c'est mort hein. Ouais, non mais là. Mais... Quelle infamie, mais quelle infamie. Tu fais pas d'effort, ta gueule. Nick. Tu fais pas d'effort, mais je te donnerai la manette, tiens. C'est quoi, la prochaine fois qu'on se voit, je te donne la manette, je te laisserai faire les niveaux bonus. Je te laisserai regarder. Tu fais pas d'effort, qui me dit. Non mais oh. Eh oh, hein. Ah, ça marche aussi. Ah, j'ai oublié ça, tiens. Ah bah, bon, ça va. Mais putain, mais voilà, mais je vais trop vite. Ah, c'est bon, mettre le joystick vers l'arrière, ça m'a ralenti. Putain, oui. D'accord, alors, c'est bon, je viens de comprendre comment jouer au jeu. Mettre le joystick vers l'arrière, apparemment, sans me ralentir. Ce qui est très bizarre, parce que je mets le joystick dans une direction pour avancer. Il avance tout seul, le jeu. Donc c'est pas très intuitif de dire que pour ralentir, tu dois la toucher à un... Enfin, bizarre. Mais effectivement, quand je mets le joystick vers l'arrière, je ralentis. Bah, c'est une très bonne chose, ça. Très très bonne chose, même. Sur le faire rager, réussi. Oui, ta gueule. Tu vas perdre ton rang de modo, puis tu vas te faire dan, tu vas rien comprendre. Tu vas te faire ban live de ma chaîne. Surconnu. Humour. Bien compris que... C'est une tendance générale de se foutre de ma gueule, bon. Ok. Bon, maintenant on a compris, du moins, on peut ralentir. On peut ralentir. We can ralentir into the video game. Là, on va aller très lentement parce que là il va m'arriver dessus. Voilà. Pareil, là on va être très lent parce qu'on va pouvoir le rejoindre sur le coin. Let's go. Merde. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Là il y a le bleu. On va prendre le bleu de gauche. Ralenti. Ok. Là. Ok, let's go. Les dégâts. Saute. Putain. Let's go. Ça te jouait. Pouf. Ok. Oh putain. Okay. Faut être patient. Il va venir à nous. Ouais, là je l'ai raté. Parce que j'ai été trop patient. Let's go, plus qu'un. Let's go. Oh la vache. J'ai qui lui sort comme ça, je me suis ban, j'ai bien envie de tenter. Non mais c'est faux, je ban personne, ça va, on se calme. Voilà. Je suis pas un tyran tyrannique de la tyrannie quand même. Ça va, c'est bon. Oh là. That wasn't prévu, Atoll. Ah oui, non, c'est vrai, on tombe à l'infini. C'est vrai, attendez. Mais du coup, j'ai envie de tenter l'autre chemin. C'est vrai, on tombe à l'infini ici. Waouh. Oh là. Oh les bâtards. Oh. Mais par contre ces ennemis là ils sont casse-couilles. Hop. Voilà l'esquive, let's go. Y'a-t-il des bulles quelque part? Ah non, pas besoin, c'est bon. C'est bon. On veut du thé. Non mais non. Oula. Merde. Ah oui, c'est juste une zone pour passer en paste, ok. Comme ça je me... Normalement si je vais assez vite et que je m'arrête en plein milieu, hop, j'annule le paste, c'est bon. Flemme de retourner dans le temps ou d'avancer ou d'aller dans le futur, c'est chiant. On est dans le présent, c'est très bien. Oh ta sœur, putain, vraiment. Vraiment.
Juste là où je peux pas la voir. C'est sûr. Time out. Oui, oui, du time out. Non, bah, pas time out. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous dans le chat. Je vois que ça veut du sang, mais calmez-vous. Ok, on a nos anneaux. Il faut en prendre soin. On a plus d'anneaux qu'il nous en faut. Je sais pas ce que j'ai ouvert, mais je l'ai ouvert. Je sais pas ce que j'ai fermé, même d'ailleurs, j'ai peut-être fermé un truc. Ah, le goal! Let's go! On va encore souffrir! Let's go! Énorme! Énorme! Incroyable! Le mec du futur, il est marron. J'ai la ref. C'est un film que j'ai ne serait-ce que pendant une seconde pu y croire. Franchement, en prenant le recul, je me dis, j'étais vraiment sacrément con à l'époque. Hein. Plus que maintenant, vraiment. Aujourd'hui, je veux bien reconnaître que je suis pas le plus intelligent, pas le plus futé. Alors putain, à l'époque, bordel. Oh, oh la naïveté d'un homme, quoi. Je sais même plus si c'était tiré d'un vrai leak en plus. Enfin, d'un vrai leak, d'un truc qui avait posté les gens sur internet ou c'était toi qui avais inventé l'histoire complètement. Je sais même plus. Merde. D'ailleurs, j'avais très peur qu'il fasse ça dans Sonic le film. Hein. Qu'il nous fasse une histoire à la Sonic, il était marron à la base et il est devenu bleu parce que super pouvoir. S'ils avaient fait ça, je pense que j'aurais buté. Au final, on n'a pas eu ça, on a eu deux très bons films. Un bon, pardon, et un très bon. Enfin, le premier est bon, le deuxième est très bon. Le deuxième, il met une raclée vénère au premier, c'est incroyable. Bon, par contre, là, ils sont chiants, ceux-là. Ralenti ou pas, là, ils ont eu des trajectoires chiantes. Ok. Oh la pute! Putain de merde, je crois que c'est foutu. Je crois que c'est foutu, hein. Même s'il en reste deux, qu'il me reste 7 secondes, que c'est potentiellement plus ce qu'il en faut pour des mecs pro au jeu. Zone. So long. Oh, incroyable. Oh, j'arrive même pas à croire que j'ai réussi. Oh, c'est dingue. Oh, la dinguerie absolue. Exceptionnel. Incroyable du cul. Oh là là. Toi qui es venu un matin en déprimant en disant que... En disant à Blue et moi que Sonic allait changer de couleur, que c'était une source sûre. Ah putain. C'était moi en plus. Oh, le con. Ouais, vraiment très con le monsieur. Alors c'était à une époque où je lisais un truc sur internet, j'étais en mode oh mais c'est vrai du coup. Et avant parce que tout ce qui est sur internet est vrai. Oui c'est vrai. Ah, ta mère j'ai sauté. Oh ta sœur, mais c'est pas vrai. Avoir besoin de l'invincibilité parce que. J'arrive à perdre mes anneaux comme le roi des cons. Ah! Il y en a là. Du coup, l'invincibilité n'a servi à rien. Que j'aurai jamais le temps de rattraper Eggman. Ah si, c'est Bang! C'est Bang, il est mort! C'est Bang! Solang! Eggman! Oh! Ah non, je crois que je me souviens. Il était temps, bon sang, je crois que tu m'avais dit mauvais et plus maintenant. Oh non! Oh non, 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 non! Ok. Je vois quel boss c'est. J'aime pas ce boss. J'aime pas ce boss parce qu'on est dans l'eau. Ah. Merde. Mais bon, j'ai un anal. J'ai un anal. On le rappelle, Sonic un anal, ça lui suffit. C'est bang. Oh putain, j'ai très peur. C'est bang. Solang. 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 Solang.
C'est de troller. Ah mais non, mais voilà, hein. Parce qu'on l'aime, qu'on le pouille. Ouais, bien sûr, ouais. Du coup, les mecs qui me harcelaient à l'école, c'est parce qu'ils m'aimaient. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, hein, c'était sûr que c'était pour ça, d'ailleurs. Franchement, une expérience tellement mauvaise avec le bully. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse bully quelqu'un parce qu'on l'aime. Voilà. Là, je sais que c'est pour le kiff, c'est marrant et tout. Mais en prenant du recul et en étant très premier degré sur la question, on va pas se mentir. Que d'expérience, non. Évidemment, là, je sais que vous m'aimez bien et que ça vous fait rire de me casser les couilles. Parce que je réagis. Mais on profite du boss. Car de l'eau dans 10 ans, il n'y aura plus. Dans 20 ans, c'est dans 20-30 ans. Alors, tu me diras, il a dit ça il y a presque 10 ans. Donc si, c'est dans 10-20 ans, quoi. Bien vu. Attendez déjà. Oh, dernière étape spéciale. Dernière time stone, mesdames et messieurs. Dernière time stone. On y est. Et après ça, on peut juste se foncer dans les niveaux comme un... Oh la vache. Oh, c'est graine. Oh, wow, c'est quoi ces patterns? What the fuck? Ok. On l'aura pas du premier coup, ça c'est sûr. Oh sa mère. Oh sa mère. Il y en a, ils ont des patterns, mais what? Ok. Ok. Putain. Et merde, ouais, ok, c'était sûr. Oh la vache. Pas donné, ça se fait pas. C'est plus du... un mot que je n'arrive pas à lire. Mais oui. Le ch'tip, le ch'tip. Je ne connais pas ce mot, c'est de l'allemand. Eine große Kartoffel, ich bin Sonic. Mais la. Ting de merde. Ting de merde. Oh putain. Oh putain. Saloperie. Voilà. Merde. Oh, celui-là. Oh oui, let's go. Voilà. Celui-là, on va l'avoir. Oui. Plus que deux. Oh, non. Oh, c'est pas grave. On revient dessus juste après. Oh la saloperie. Putain, 20 secondes. Fuck. Perdu. Je suis pas toi de chez nous, j'arrive pas à le traduire littéralement, ça équivaut à... Je te taquine un peu, mais pas méchamment. Ouais d'accord, ok. Je vois. I see. Je viens de trouver la veste de mes rêves sur Vinted à 3€. Il faudrait juste une telle au-dessus. Non, à tristesse. Je sais pas ce qu'est une telle, mais... Tristesse à toi. Ouais. Le nom voulait tout dire, c'est que c'est pas une bonne nouvelle malheureusement. Les voilà. Oh non, mais attendez, on va l'avoir. Je vous jure celui-là on va le. Arrête de courir. Mais se faire courir mal rouquin. Il est pas où. Certes. J'ai l'impression de lui être passé à travers. Jure, la perspective dans ces niveaux, elle me donne envie de casser un truc. Oh là là, mais alors... Oh oui, bon bah voilà, écoutez... Oh là, mais Oh là, y'a rien. Y'a rien, non mais y'a rien. Oh, y'a rien, bah... Ah, taille. Ah. Une taille au-dessus. Une talelle. Moi, je sais pas ce que c'est. Ah, terrible. Terrible, la talelle.
Finalement, Thalel, c'est peut-être le frère, frère de Thalès, le théorème de Thalel, qui dit que si A égale B, alors B égale C. Voilà. Pire théorème de l'histoire. Let's go. Ok, ça par contre c'était pas prévu, mais c'est pas grave, ok. Ok, ok. J'aimerais bien faire celui là-bas, comme ça j'ai pas à revenir ici. Sauf que... Il est chiant! Oh mais la perspective! La perspective, la perspective... Oh non, bah j'ai tout perdu, ma femme, mon job, mon gosse. Oh non, mais arrête! Et ben, 20 secondes! J'y crois zéro. Ah oui, bon voilà. Let's go! Let's go! Quelle infâme putain de merde! J'ai envie de mourir, je ne veux pas refaire ces niveaux, jamais de ma vie, je ne veux plus, plus jamais. Après ça, je ne veux en entendre parler! Ok. J'étais dessus, mais c'est pas grave, on peut revenir. Elle va bien économiser le temps là. Ah, le bumper que j'ai pas vu. Putain de merde, j'ai du mal à comprendre le pattern de celui-là. Oh, oh, il m'est arrivé. Ok, je suis pas dans la colle. Je t'en supplie. Moi, ne chie pas dans la colle. Café. Solong. Énorme. Incroyable. The Seven Time Stones. Incroyable mais vrai. Et là normalement si ma prophétie est vraie, normalement on devrait être dans un goût de futur là. Ah mais là on était qu'en zone 1, donc ce sera en zone 3 qu'on verra si on est en goût de futur. C'est pas le cas, c'est-à-dire juste que je me suis chié et qu'il fallait que je fasse tout. Mais c'est absolument incroyable. GG, merci Rinku. J'ai oublié de mettre en place. Ah, j'avais dit que je le ferais avant le stream. Bah, tu me diras, je me suis levé à 9h30, donc pour un stream à 10h, c'est pas évident. Mais il va y avoir une nouvelle commande avec les Sony Coins. D'ailleurs, les Sony Coins, donc je vais bientôt changer le design. Là, je vais m'y mettre pour être plus adapté au logo actuel. Parce qu'actuellement, ils ont l'ancien logo de la chaîne. Mais par contre, putain. Je vais rajouter une commande qui vous permettra de choisir quelle sera... Oh putain. Quelle phrase j'enregistrerai, ou mot, ou lettre j'enregistrerai sur mon sampler. Du coup, qui sera la nouvelle phrase que je pourrais balancer comme ça. Nick. Voilà, pour ce stream-là. Je vais rajouter cette commande, avec les Sony Coins, et du coup, comme ça, vous pourrez choisir. Ce sera rigolo. Évidemment, si jamais vous voulez me faire dire une obscénité, ce sera un nom direct. Voilà, hein, mais... Par contre, je vais rajouter ça parce que je pense que ça peut être très très drôle de vous faire participer. Café... Quoi? C'est pas le... Café, c'est pas le mec qui a fait le... C'est... Ah si, non, café c'est dans... C'est dans... C'est pas dans Ocarina of Time, c'est dans Majora's Mask. Café, c'est dans Majora's Mask. De mémoire. Let's go. Incroyable. Et on a fait, je crois, que la moitié du jeu, là. Hein. Même pas, hein. Il doit nous rester 4 zones, après ça. Et du coup, on est pélé bien au goût de futur. Ah, ma théorie s'est avérée vraie. On est pélé bien au goût de futur, c'est bon. C'est bang. C'est bang. Le marque café, c'est... Café... Si, c'est celui qui se marie, non. C'est celui qui veut se marier, mais qui est... retourné en gamin, je crois, non. Oh putain, oui. Le boss de l'enfer du cul. Aïe. Je sais plus comment on le fait, ce boss. Ah si, c'est de la tempo, non? Ah si, faut juste attendre, c'est bon. Ah mais avec le drop dash, c'est très facile, du coup.
Oh la vache. J'ai déjà un mot pour toi, j'ai hâte. Au pire, j'ajoute la commande pendant la pause, hein, je pense que ça se fait. Hein. Par contre, elle risque de coûter un poil cher, hein. je vais pas la rendre accessible à n'importe qui. C'est celui qui a le masque du renard qui était un transformant game. Ouais, c'est ça, ouais. Là, j'ai une bonne mémoire, en vrai. Pas trop mauvaise mémoire, là, de Majora's Mask. Alors que Majora's Mask, j'y ai jamais vraiment joué de moi-même, hein. Très, très envie d'y jouer à Majora's Mask, en vrai. Peut-être qu'un jour, hein, let's play. Who knows. Bah alors. C'est parti, let's go. Incroyable. Ok, non mais genre, bah alors un coup qui revient après moi. Ah non, quoique il reste peut-être que moins de zones que prévu en fait, si on est déjà ici. C'est Tidal Tempest, c'est ça, je crois. J'ai oublié de voir le nom. J'ai oublié de regarder, mais je crois que c'est Tidal Tempest, non? Pas du tout. Je sais plus. Non, mais non, c'est pas du tout Tidal Tempest. Qu'est-ce que tu racontes? Sonic, reprends-toi. C'est pas du tout Tidal Tempest. Complètement oublié le nom de la zone. J'avoue. Il me rendait pas le nom de la zone, c'est bon. Par contre, trop cher, j'ai que 1,5K. Bah, je pense que je le mettrai à 1K, hein. Un cas comme les Incas, MDR. Vous avez vu, je fais de l'humour. Oh non, pute! J'avais oublié ça! Ah non, du coup, j'ai perdu tous mes anneaux. Bah, je vais mourir. Il me remet là-haut! Mais je veux pas! Oh là là! Mais oui, bah voilà, j'ai mouru. Et 6,4K. Je vais peut-être le mettre à 1K. Hein. On mettra ça à 1K. Une petite pause à un moment entre Sonic CD et Sonic 2. On laissera le temps de configurer la touche, enfin la commande. Putain, attendez, mais j'avais complètement oublié, on est dans Sonic CD. Vous savez ce qu'ils ont rajouté dans Sonic CD qui est trop cool? Oh non, on vient là. Ils ont rajouté ça. Le super peel-out qui va plus vite qu'un spin dash en chargé. Putain de merde. Putain de merde. Et qui du coup est plus stylé. Rinku qui va se faire plaisir. Ah bah Rinku il va pouvoir en choisir un seul, puisque je pense que je vais le limiter à un par personne, par stream. Pour éviter les dérives. Genre que... Oh putain. Genre qu'il y a un mec qui a, bah comme Rinku, a genre 1 milliard de points, qui les dépense tous, du coup qui puisse décider tous les mots. Parce que sinon c'est dommage pour les autres, évidemment. Faut penser aux autres. Ligne de merde. Wow, ok. Oh, oh le bâtard. Mais je vais mourir. J'ai pas d'anneau. Rendez-moi mes anneaux. Oh. Oh. C'est trop rigolo. Complètement oublié l'existence de ce truc. Ah, par contre, je peux pas passer par là. Super. Super. Je suis en past, mais j'ai pas envie d'aller dans le past. Je dois vous laisser. Bientôt. Ciao tout le monde. Merci beaucoup, Yacine, d'être passé. Des bisous à toi. C'est une très bonne journée. Fouir. Go. Nice. C'est bon. Solang! Du coup, c'était quel niveau? Good in future zone. Mais du good future in zone. Ouais, okay. Donc, ça auto-good zone en fait dès que t'as les 7 time zone. Merde, mais j'ai pas vu le niveau, j'étais en train de boire mon café! J'ai complètement oublié le nom de la zone. Et ça me fait chier parce que. Ça me fait chier. J'aime bien savoir le nom de là où je suis. Comme ma mémoire est pas forcément exceptionnelle, bah des fois j'oublie le nom des niveaux.
Oh ta sœur, putain. On aurait qu'il me gratte. C'est terrible. Ça a gratté fort. Je suis désolé. Ah la vache. Ah ça fait du bien. Bah vrai. L'oreille qui gratte, c'est important. Ah putain, c'est chaud par contre. Parce que je vais arrêter de le faire tourner là. Hop. Voilà. Let's go. Ventilo dans ma gueule. Ok. Oh oh. Ouf. Oh putain, mais c'est vrai, il y a ces trucs là. Oh waouh, incroyable. Ils m'ont aidé à me suicider. C'est génial. Je prends mes affaires. Super sexy. Mais de rien. Ça me fait plaisir. Moi je viens en stream au naturel. Ah là là là, c'est beau. C'est beau la vie pour les grands et les petits. Let's go! Alors. Wacky Workbench, putain, mais oui, mais bien sûr! Ah, mais bien sûr! Wacky Workbench, en good future! Je me souviens plus de ce boss. Oh putain, je m'en souviens. Oui, si, si, je remember, je remember. Oui, ok. Fallait que je sois sur les deux du milieu. Mais je suis mort, je crois, non? Alors ça... Non, ça fait que ressauter, c'est bon. C'est bon, je me rappelle. Solong. Zone. Solong. Ouais, pas zone, c'était Solong que je voulais faire. Cette musique de l'exception. Oh non! J'adore cette musique. Non! Oh non, j'avais réussi! Oh les bâtards! Oh les bâtards, je me suis fait écraser tel une crêpe, tel une mouche, tel un asticot, tel un poivron vert, tel un... Pas où je vais avec ces comparaisons. Oh la vache. Mais... Qu'il a un chemin. Ah voilà. Bon, le chemin. J'ai parcouru le chemin et tenu la distance. Je me souviens plus de la suite, mais après de ça, y'a le refrain. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Ah, les années 2000, hein. Oh, le nulos. Putain, c'est vrai que je pourrais l'avoir ça dans ma soundboard, le... Oh, le nulos. Oh, le nulos. Ouais, le maître. Mais putain, pourquoi je me fais tout le temps avoir à celui-là? Il meurt. Il meurt. So long. J'ai mal appuyé sur le bouton. Solong. Let's go. Mais tu vois que ça, tu veux me faire un stream spécial naturisme. Non. En vrai, en plus, fact, je suis beaucoup plus... Oh, Stardust Speedway, le meilleur niveau du monde. Le meilleur niveau du jeu. Et généralement, le niveau que les gens se souviennent le plus dans Sonic CD. Ah merde! Attends, dis-moi que je vais dans la version alternative de la musique où la musique est cool.
Ah non, c'est pas la meilleure version. Mais de toute façon, la meilleure version, on l'aura qu'à la zone 3. Ou la zone 2. Mais... J'ai pas vu, on est dans le past. Tap, 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 tap. Oh non, la musique! Mais non, mais l'invincibilité, là, qui nique tout! Mais what? What? Mais... Je vais où si c'est pas par là? Mais ta mère! J'ai compris, mais c'est chiant! Attends... Mais non! Mais quoi? Mais je suis coincé! Mais vas-tu arrêter, fichtre migre! Je suis vraiment coincé ou quoi? Mais what the fuck? Bah oui, mais je peux pas passer par là? Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Ah voilà! Putain. Oh mais non, mais ta sœur là aussi, putain! Oh non, mais deux secondes quoi! Deux secondes! Mais c'est pas vrai! Ah non, mais attendez là, attendez. Bah, c'était coincé comme une merde là quand même! Un autre passage, genre là je peux y aller, non. Je peux aller me faire foutre, oui. Puis-je, s'il vous plaît, je... Peut-être parce que dans le past on est coincé. Rip la fun fact sur, sur le naturel, le naturisme. Ah putain oui, non. Ah putain, c'est vrai que du coup, j'ai coupé en plein milieu parce que c'était Stardust Speedway, mais non, je me sens plus à l'aise habillé, voilà, c'est ça que je veux dire. Quand je suis tout seul chez moi, même si je peux être à poil, je préfère être habillé de manière générale. Voilà, je sais pas si... C'est une anecdote comme une autre, hein. C'est tout, voilà. Le naturisme, c'est pas trop fait pour moi. Putain de merde. Oh, j'ai failli créer une bombe atomique, là, en ne terminant pas mon anecdote, c'est terrible. C'est bon. Il n'y aura pas dans le futur. Mais non, mais je veux pas aller dans le pass non plus. Mais vous allez me faire sortir de là, oui. Mais attendez, mais je suis coincé. Je suis coincé. Bah, je suis coincé, en fait. Ah, c'est bon. Oh non, j'y étais. Oh non, j'étais à une sortie. Oh oui, c'est bon! Non! Oh, c'est bon! Oh, c'est bon! C'est bon! Aïe! Je sais pas d'où j'ai pris le dégât, mais je l'ai pris. Ça, c'est sûr. C'est acte 3 ou acte 2 qu'on va affronter Metal Sonic, j'ai un doute. Je suis bien dans mes chaussons. Je suis d'accord. Je sais pas pourquoi être habillé, ça me met à l'aise. Même quand je suis tout seul. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, simplement. Oh, j'allais repéter un plan, je me suis dit, ils m'ont coincé là ou c'est quoi? C'est bon, tout va bien. On est d'accord, j'ai plus de café. J'ai plus de café. On passe à l'eau. Ah, je pourrais manger ma viennoiserie d'ailleurs, t'es aussi. Non, ça va être Stage 3 du coup qu'on va affronter Metal Sonic. Et je crois que par contre on n'a pas la musique ultra cool parce qu'on sera en goût de futur. Ou alors c'est le même quoi qu'il arrive. Si c'est le même quoi qu'il arrive, ça fait plaisir. Let's go. Oh non mais saute! Bah il saute plus. Te retrouve pas coincé là, c'est bon. Avance. Putain. Mais non, mais pas. C'est bon, voilà, c'est bon. Arrête! Mais putain, pourquoi il se propulse? Stop being propulsed. Voilà.
L'avance into the video game. Let's go. Oh les salauds. Tum pam. Tararam dam tam tam taram. Tararam. Attendez, je crois qu'on vient de passer. Alors attendez, je suis pas. Oui c'est ça. Regardez. Regardez, c'est la gigatête de Robotnik. Enfin de Eggman. Eggman, Robotnik, on s'en fout. C'est la même personne de toute façon. Encore une fois pour l'anecdote, Eggman est le nom japonais qui avait été donné à Eggman du coup. Sauf qu'en Occident, ils l'ont appelé Robotnik, je crois, pour que ça fasse plus américain, plus mieux, je sais plus. Et du coup, en fait, ça a fait des gros soucis de lore quand ils ont voulu tout réunifier. Enfin, de lore de... On parle des fans, en gros. Puisque, bah, du coup, quand... En Occident, tout le monde était habitué à l'appeler Robotnik. Et tout d'un coup, dans tous les jeux, il s'appelle Eggman. Ça casse un peu les couilles. Et du coup, en fait, il a été un peu convenu qu'en Occident, hors du Japon... Allez, du coup, c'est pas la version archi-vénère trop stylée de Stardust Speedway. Dommage. Dommage. Mais c'est pas grave. Mais donc, du coup, ouais. Oh, oui. Ah, mais de toute façon, c'était la musique de boss pour lui. Oh, c'est d'une tristesse absolue. Bref. Et donc, du coup... Oh non, si, c'est bon. Oh le bâtard! De mémoire, le fight est très dur. Parce que c'est juste une course, mais c'est pas facile. Et merde, ouais, c'est pas évident. Je crois qu'on a perdu même. Et ta mère là! Oh c'est bon! Oh là là! Et donc du coup, il a été convenu en Occident que Eggman soit le surnom un peu pas sympathique que donnent Sonic et ses amis à Robotnik. Même si du coup le nom japonais reste Eggman et que dans le lore c'est... que dans le lore du moins japonais, donc originel, c'est Eggman. C'est pas Robotnik. Robotnik n'est jamais mentionné nulle part. Du coup ça a été gardé pour... Sonic le film, donc du coup, il s'appelle Robotnik. Ivo Robotnik. Ivo, pareil, qui est aussi une pure invention... américaine, là-dessus. Ivo Robotnik, et donc du coup, c'était gardé pour Sonic le film. Et Ivo, ça vient de... alors, du comics appelé, à l'époque, la Bible de Sonic, qui donnait les origines du hérisson d'après le lore américain. Où du coup, justement, comme ce que je disais tout à l'heure, Sonic était marron. Est devenu bleu parce qu'il s'est mis à courir très 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 vite dans une machine d'un docteur qui s'appelle le docteur Ovi Kinterbor, qui est un gentil docteur qui cherche à éradiquer le chaos du monde. Et du coup Sonic est devenu bleu parce qu'il s'est mis à courir trop vite. Et en fait Ovi a fusionné à cause d'une mauvaise expérience avec les émeraudes du chaos, avec un œuf pourri. Et du coup ça l'a fait devenir méchant. Et du coup son nom a été inversé, il s'appelle plus Ovi Kinterbor mais Ivo Robotnik. Du coup voilà. C'est à chier hein, ça pue la merde. Comme lors je crois qu'on a vraiment vu pire. Le machin n'a jamais été décanonisé. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Officiellement. Mais ça s'est auto-décanonisé en fait avec beaucoup d'autres sources de médias Sonic, notamment bah, les jeux en fait. Hein. Les jeux en eux-mêmes ont littéralement décanonisé ce truc. Eh, tu crois, bon, bref. Et donc du coup. C'est. À décanoniser mais pas officiellement. C'est-à-dire que ça s'est auto-décanonisé mais c'est tout. Et très content aussi que du coup bah Sonic le film soit pas parti là-dessus parce que putain de merde que c'était une histoire de merde. Voilà. Parce que c'est bien beau, t'explique pourquoi est-ce que Sonic il est bleu et tout, mais pourquoi Amy est rose, pourquoi Knuckles est rouge, pourquoi Tails a deux queues. Voilà, pourquoi je sais pas moi pourquoi. Pourquoi Belle fait du feu, bref. C'est le bordel hein, c'est. Et c'est vraiment juste les ricains, c'est vraiment juste Sega of America qui s'est dit les gens vont pas comprendre, il faut leur donner des éléments de lore, et du coup ils ont fait de la merde. Voilà.
Peut-être à cause de cela que tu as cru qu'ils allaient le passer en marron. Bah à l'époque je connaissais pas cette anecdote. Et du coup je pense que si je la connaissais, je me serais dit que ils auraient jamais été assez cons pour le faire. Mais à l'époque j'étais trop con. Donc voilà. I was trop con at the time. Elle est où la suite? Elle est où la suite du jeu? Elle est où la suite du jeu? Hop, c'était pas par là? C'était à gauche depuis le début? Putain de merde. C'était à droite depuis... C'est par là? Depuis le début? Oh la connerie! J'ai fait le chemin en arbre. Quoi? Bah non. Je suis perdu. Ah, je suis perdu. Oh, je vous jure, je suis du père. Oh, je suis du père. Pas où je vais. C'est pas où je vais, je sais pas où faut que j'aille. Le jeu m'a perdu. Ça tourne mal. Et là, il n'y a rien. Et là, je reviens en arrière. Ah merde! M'attendez pas à ça! Du coup, là, il n'y a rien. Ouah, je suis perdu! Je sais vraiment pas où je vais. Oh là là, je sais pas où je vais. Bah, je vais mourir là, c'est sûr. Mourir, ça c'est sûr. Certes. Ça change pas d'habitude, je sais pas que. Tels, il a deux queues, il a un. Il a un malheur dans les partout, c'est marrant. Hein. C'est marrant, hein. Ah là là, MDR. Bon, on va tenter de remonter par là, même si j'y crois pas, hein. J'y crois pas du tout, hein. Ah, mais si, en fait. Putain, si. Ah, si, oui, d'accord. Oh oui d'accord, ok, ouais, ok, ok. Ben non, j'y remonte pas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah c'est bon, c'est bon. Ah c'est bon. C'est bon, on est décoincé, on est décoincé. Oh oui c'est bon, oui on a fini. Oh l'angoisse. Oh là là. Oh non. C'est terrible. Tellement de temps pour finir. Catastrophe. Metallic Madness zone 2. Metallic Madness zone 2. Sûr. Ok. Attendez, ce genre de porte ne me dit rien qui vaille, je sais pas pourquoi, ça me donne. Oh! À droite! Ah non, mais je rouvre pas, on s'en fout. Je veux m'en aller. Je veux finir! Aïe! Pam 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 pam. Oh la... La bombe! Oh la giga bombasse! Ok, ça je m'en souviens, faut sauter à la fin. Ah non, ça nous fait sauter tout seul, d'accord. Putain, oui, je me rappelle. Oh putain, c'est bien ce que je pensais. C'est bien pour ça que ces portes me... Ok. On va être rétréci. C'est pas ça que je voulais faire, mais d'accord. On va être rétréci. Aïe. We are gonna be rétrécir. On se souvient de ce passage. Je sais même pas si j'ai obligé de passer par ce truc là, mais peut-être. Donc dans le doute.
Tam tam pam 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 pam. Ouais, on en avait besoin pour sauter. Wow. Oh oui, on est rétréci. Oui, regardez. C'est Tiny Sonic. C'est Tiny Sonic. C'est trop bien, il est trop bien. J'adore ce sprite. J'adore ce sprite. Il est trop bien. Mais tu as... Ah voilà, merci. Incroyable mais vrai. Incroyable. Hop. Et c'est à droite. Pap, 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 pap. Et c'est pour ça que je me souviens du boss. Et le boss est très rigolo du coup. Remember the boss. C'est un boss assez rigolo. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Décidé, je vais commander beaucoup de chaussures sur Vinted, il y a des pertes. Ah, l'argent. L'argent qui va s'envoler. Hein? J'ai fait le tour? Quoi? Attends, c'est que c'est pas par là, c'est pas possible. Bah si, pourtant, what? What the fuck, les amis? Qu'est-ce que c'est que ça, sorcellerie? C'est mini-nique. Quelle angoisse. Mais... Et ta sœur? Oh! Ta sœur mérite d'avoir des études. Pouvoir faire le métier qu'elle aime. Oh là là, putain! Elle mérite, ta sœur, elle mérite. Comment se rattraper? Comme quand tu dis ta mère. Là. Ça peut être ta mère, ça peut être une insulte, mais ça peut être aussi ta mère, la personne qui t'a élevé, qui t'a bien élevé, qui en plus de ça a dû tellement se sacrifier pour que tu aies une vie exceptionnelle qu'elle mérite. Elle mérite tout ce qu'elle veut, quoi. Elle est incroyable. Un homme exceptionnel. Là, tu peux facilement tourner une insulte into une pas insulte, hein. Ou l'inverse. Une pas insulte into une insulte, hein. Aïe! Putain de merde. Wow. Oh oui. Oh, ce passage. Le passage. I remember this passage. I remember. Do you remember the 21st night of September? Oh, le goal. Goal. Let's go. Ah, merde, la daronne. Ton père oh putain, j'ai raté ton père, la figure masculine importante de ta vie, quoi, voilà. Oh, c'est mignon. Regardez les petits moutons. Aïe. Ça n'empêche qu'il y a toujours des pics, hein. Ça les fait marrer, les pics, hein. Les pics, probablement l'obstacle le plus vieux de l'histoire du jeu vidéo. Pourtant le plus réutilisé de l'histoire du... le plus réutilisé de l'histoire du jeu vidéo. Et encore aujourd'hui, on voit des jeux avec des pics. Surtout les Sonic, parce que ça fait partie du design, mais ça fait partie des ingrédients de LD importants. C'est des trucs qui punissent sans être trop punitifs, mais en étant suffisamment chiant quand même. Oh, connard. Certes. J'ai raté. Oh, vas-y. Quoi? Mais d'où? Oh là là, quelle infamie! Quelle infamie! Ah, c'est honteux! C'est honteux! C'est honteux! Faudrait que je le mette aussi, lui. Je vais avoir besoin de deux pages, là, de soundboard, ça va être terrible. Après, je peux en avoir plusieurs, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, ça fera... Oh, beaucoup! Ah, c'est de là que ça vient! Ah oui, c'est vrai! J'ai complètement oublié que ça venait de ce truc-là. De Metallic Madness. Et là, normalement...
Ah non d'accord, ça c'est... Oui, ça c'est le passage chiant. Mais quoi? C'est le passage chiant. Qui donnera un boss, hein, carrément, dans Sonic Mania. Mais quoi? Mais d'où? Mais d'où? Ah non, c'est ce boss-là? Oh non, c'est ce boss-là? Oh, la tristesse! La tristesse. Bah, c'est le boss de fin, je crois. Hein. Je crois que c'est le boss de fin, si je ne m'abuse. Une connerie du genre. Je crois bien que c'est le boss de fin. Hein. Je crois qu'on est en train de finir Sonic CD, là. Merde, c'est pas ça que je voulais faire! Wouh! Putain, ta mère, je pensais que ça passait. Et merde, j'ai plus d'anneau. Bah, je suis mort. C'était sûr. Fun fact, le mec de C-Hunter est mort. Oui, il est malheureusement décédé. Je sais même plus comment il s'appelait, mais c'était un pseudo-journaliste sportif. Qui était très... C'est René, il s'appelait, je crois. Parce que c'est la minute de René, le nom de son passage dans je sais plus quelle émission. Et oui, il est malheureusement décédé. C'était un grand fervent supporter. Je sais plus de quelle équipe de foot. Je crois que c'était l'OM, hein, mais j'ai un doute. Ouais, de toute façon, moi, je suis pas très foot. Donc... J'en sais rien. Mais ouais, Ripa, lui, nous aura fait extrêmement rire avec des phrases cultes telles que c'est honteux. Alors, la conne de tes morts. J'ai raté. Qu'est-ce qui... Ah! Hop là. Ouais. Mais donc du coup, je crois que c'est bel et bien le boss de fin là qu'on est en train d'affronter. Hein. Ça me dit un truc. On va pas se faire avoir deux fois. Faut attendre que ça descende. Mais descend plus bas. Voilà. C'est bon. So long. Ok. Ok. Zone. Ah bah non, c'est pas le mot. So long. Me trompe encore. Il est là le so long. So long. So long. Allez, là on a un bouclier. On a 39 anneaux. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Absolument rien. Tout va bien se passer. On va perdre le bouclier, ça c'est sûr. Je vous le dis, on va perdre le bouclier. C'est pour la bonne cause. Pour la bonne cause, c'est pour faire ça. Voilà. Maintenant on a la fenêtre. J'ai peur de dire une connerie, mais je crois. Merde, putain de. Oh, j'ai déconné là. J'ai déconné. C'est ma faute. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Tout va moyennement bien. Let's go. Ça me dit quelque chose comme boss de fin, c'est pour ça que je pense que c'est le boss de fin, mais j'ai un doute tout d'un coup. Le doute m'habite. Putain, la connerie d'un homme! Je pensais que le saut pouvait passer, mais non, il ne passe pas. Let's go! So long! Énorme! Ouais, c'est ça, c'était le boss de fin. Let's go! Normalement, là, on a la 3 ending. Je crois que oui. Je crois que c'est bon. Normalement, la planète. Oui! 3 ending, mesdames et messieurs! Incroyable!
Oh, les musiques de Sonic CD et les animations! Eh, pour les fans de manga, pour les fans d'animé et de manga, les animations ont été faites par la Toei. Les animations que vous voyez là ont été faites par la Toei à l'époque, donc dans les années 90, c'est incroyable. Vraiment, ça, c'est exceptionnel. Il y a une team Sega France, incroyable! Takashi Iizuka! Incroyable! You're too cool! Incroyable! Et normalement, on a une autre cinématique! Presented by Sega! Alors, on a une autre cinématique, du coup, pour conclure Sonic CD. Oui! Oh! Ah, vraiment, Amy parmi les... See you next day, Tails! Tails, incroyable! Et du coup, on a direct la cinématique! C'est trop bien, on va faire pause mesdames et messieurs, on va faire pause. On va revenir au menu principal juste après parce que YouTube, non je me remets, YouTube c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, t'abonner, à lâcher, à partager la vidéo et à venir nous rejoindre sur Twitch parce qu'on s'amuse énormément, ça fait extrêmement plaisir. On va donc nous continuer sur Twitch évidemment, mais puis YouTube on se retrouve pour la prochaine vidéo. Des gros bisous YouTube, au revoir.